Bon. Allez, on est reparti. Non mais sérieux, merde! Ça saoule! C'est parce qu'il y a un autre joueur qui est en train de faire les mêmes quêtes que moi en même temps que ça fait merder tout. Vous avez mon attention. Rappelez-vous, putain, quand même. Bêtes, ou elles mourront comme les autres. Bon. Imbécile, mon armée vous encercle. J'ai des bugs de script. Bon. C'est tout ce que vous avez pour nous? Je m'attendais à plus. Oh non, il y a un autre joueur qui est encore dessus. C'est encore buggé. Ça suffit. Le fils de Krodos a mérité sa friandise. Ok, là c'est bon. Cher Kyrian, venez trouver votre destin. Bon. Faites feu dès que possible. Comment on règle un problème? Il se dirige vers le parangon. Vous parlez à la main. Ah ouais, mais c'est pas suffisant. Il est d'un high level supérieur, mais je perds en endurance et ça me plaît pas. Vous avez mon attention. Affronter Marfa. Attendez, alors, j'ignore ce qui nous attend de l'autre côté du gouffre étranger, mais par la grâce de l'Archonte, j'espère que mon parangon est toujours de ce monde, mais je crains le pire. Nous allons affronter cet inconnu ensemble, comme nous l'avons fait pour les autres horreurs Maldraxxi. Il est dans la nature des Kyrians de suivre la voie en dépit des obstacles.
quoi qu'il arrive, sachez que vous avez gagné mon respect éternel aujourd'hui. Dit-il dit. Bon. En tout cas, j'ai vu dans le chat que j'avais des ventes. Donc j'ai du pognon qui est en train d'arriver. C'est cool. Quoi? Okay. Oh, fallait que j'y parle, c'est ça? Non, mais j'ai le. Fallait que je lui parle avant de me TP. Vous parlez à la main. Ah d'accord, ok. Le rangon de courage était au cœur du temple au moment de l'attaque. Si elle vit encore, il faut lui porter secours. Gagnerez pas cette bataille, nécromancien. Notre courage est inébranlable. Il faudra plus que du courage pour vous sauver aujourd'hui. Mon parangon, vous ne combattez pas seul. Ah, exactement ce dont j'avais besoin. Pour l'Archonte et pour le Bastion. Qu'est-ce qui m'arrive? Non! 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 Thanikos! Je t'ai libéré de tes imperfections. À présent, sers-moi en détruisant nos ennemis. Ouch. Il est presque à puissance maximale. Tenez encore un peu. Bon, 67, 4 vies. Ça va, c'est pas encore insurmontable. Venez, il faut sortir d'ici.
Et elle, on l'abandonne? Le Parangon pourra s'en sortir seul le temps que vous battiez le rappel des troupes. Artemette va prévenir l'Archonte. Nous devons retourner à Oribos et les informer de la trahison de Maldraxxus. Ma lame est prête à surgir. Bien, et bon, on avance dans la campagne, en tout cas. Même s'il y a beaucoup de bugs. Hein. Maldraxxus doit répondre de ses crimes contre le bastion. Justice sera faite. Allons trouver Tai Inara, l'auguste voix à Oribos, pour lui faire part de ce qui s'est passé aujourd'hui. Il faut lui dire que les Kyrians ne laisseront pas cette agression impunie. Arémed informera l'Archonte en conséquence et mes frères et sœurs ne manqueront pas de prendre les armes. Nous ne pouvons rester les bras croisés. Nous devons immédiatement nous rendre à Oribos. Dès qu'Artemed aura transmis le message, les miens organiseront certainement des représailles militaires. Je vous retrouverai là-bas. Faites attention. Il est presque à puissance maximale. Tenez encore un peu. Là-bas, d'accord, ok. J'ai pas de vol, j'ai pas de fly, j'ai rien. Bon. Bah, let's go. Nos destinées convergent. Non mais c'est bon, ça c'est... Voler libre de tout fardeau. Qu'est-ce que... Attendez, c'est quoi... C'est quoi la maquette là? D'accord, ok, excusez-moi. J'acquiesce à votre présence. Voilà. De la sagesse. Donc, on retourne à Oribos. Et je pense qu'on va donc découvrir un autre territoire, même si on n'a pas fait tout, du coup. On s'est arrêté là, on a été jusque là. On n'a pas vu les forges éternelles, on n'a pas vu la citadelle de la loyauté. Ce sont les deux derniers espaces qu'on n'a pas vus. Mais peut-être que c'est, mais peut-être qu'ils ont pas mis de deux quêtes là-bas, c'est à la découverte du joueur. C'est possible.
Après, j'ai vu que c'était des niveaux 60 qu'il y avait là-bas, donc peut-être que ce sera plus tard. Peut-être qu'il faudra revenir là plus tard. J'aimerais bien découvrir un nouveau territoire, parce que je vous avouerai que le bastion, c'est pas mon délire. Je sens une puissance corrompue dans Ruiskund. Trouvez où se cache la Légion et repoussez-la. Non, c'est ça, oui, c'est ça. Ok. Nous avons tous un devoir à accomplir. Quel est votre dessein? C'est une nouvelle des plus inquiétantes. Si les royaumes de la mort sombrent dans la guerre, il n'y aura rien pour freiner l'expansion de l'antre. Les Nécro-Seigneurs sont de grands guerriers, mais ils ont toujours mis leur force au service de l'Ombre-Terre. Pourquoi iraient-ils l'attaquer? Mortels, à vous de découvrir pourquoi ils en prennent aux Kyrians. Vous devez tout faire pour empêcher une escalade du conflit. Sans la force de Maldraxxus, je crains que nous ayons peu d'espoir d'arrêter le proscrit. Le motif, moi, il me semble pourtant simple, quoi. C'est le système actuel de la vie et de la mort leur plaît pas et ils veulent en prendre le contrôle, quoi. Vu que, de toute façon, la frontière entre la vie et la mort a été brisée lorsque Sylvanas a brisé le casque d'Arthas, ce cycle peut être rompu, quoi. Donc, en gros, le motif, il est clair, hein. C'est la révolution. C'est un sujet qu'on trouve beaucoup, je trouve, dans beaucoup d'œuvres. On en a parlé aussi dans Bleach, pendant l'arc avec Tokinada, qui voulait aussi faire un petit peu la même chose, mais dans l'univers de Bleach. Quelle nouvelle m'apportez-vous ? Nul ne sera épargné si le bastion et Maldraxxus entrent en guerre. Les Nécro-Seigneurs sont isolés depuis un certain temps déjà. Vous allez devoir vous rendre dans leur royaume en apprendre davantage sur leur incursion. Bien que nos réserves d'anima restent dangereusement basses, elles suffiront à vous ouvrir la voie. Vous allez trouver Kirashir à l'anneau de transfert d'Oribos. Il faut ouvrir la voie vers Maldraxxus. Allez trouver Cad Ellen et occupez-vous-en. Tout de suite, auguste voix. Attendez, juste avant. Cad Ellen, une mission solennelle
nous a été confiée. La nouvelle de l'attaque se répand rapidement. Je vous accompagne. Bon, ça va, 600 pièces d'or que j'ai récupéré là en 2 heures. Bon. Ça va, 65K. Bon, nouveau territoire, Maldraxxus. Nous manquons toujours d'anima. J'espère que nous parviendrons à mener cette tâche à bien. Bienvenue à Oribos. Vous devez à tout prix découvrir la raison de cette attaque contre le bastion. Nous allons avoir besoin de votre aide pour ouvrir le portail. Une fois le focalisateur suffisamment chargé, nous ouvrirons le portail de Maldraxxus vers l'endroit où vous devrez vous rendre. À partir de là, l'issue de cette guerre repose sur vos épaules. Activez le portail vers Maldraxxus. Livrez-vous au dessein. Ah d'accord, c'est pas la même luminosité. Il faut suivre le dessin avant tout. Si Maldraxxus est une terre de conflits et de discorde où l'honneur conserve toutefois une place centrale, mais ils ont jeté à bas toute forme d'honneur, bien plus que le bastion sera en péril. Mais s'ils ont jeté à bas toute forme d'honneur, bien plus que le bastion sera en péril. Prenez garde au danger qui vous guette de l'autre côté de cette porte. Vous entrez dans le royaume du bien et du mal. Entrez en Maldraxxus. Veuillez respecter la propreté des lieux. Puis-je vous servir ? Let's go! Bien, je me sens déjà un peu plus chez moi là. Poursuivez l'entraînement. Seuls les plus forts pourront combattre.
galaxie. Que faites-vous encore ici? Attrapez une arme et entrez dans l'arène. Prenez votre arme et faites la queue. Ne rendez pas les armes. Combattez avec ardeur. Elle a. Ah, il les fait. Combattez bien. Tout Maldraxxus vous observe. Non mais... Ouvre-moi la putain de quête. Qu'est-ce donc vous m'abordez, vous n'arborez aucun emblème. Vous n'avez donc aucune fierté pour votre maison, gladiateur. Nous sommes tombés bien bas, si c'est là tout ce que Maldraxxus peut se permettre. Je me souviens de la grande époque, les âmes les plus puissantes réparties entre les cinq maisons. Mais peu importe, le tournoi n'attend pas. Entrez donc dans l'arène et combattez pour la gloire. Si je me fie à ce que je vois, vous ne tiendrez pas longtemps. Essayez malgré tout de vous faire un nom pendant les quelques instants qu'il vous reste. Ça me plaît beaucoup. L'objectif, c'est quoi? 30 combattants vaincus. Et ben, c'est parti! Je suis hors de combat. Bon, pas de doute, malheureusement. Pas fait attention. Ouais, si je gagne un peu d'XP. Ouais, je sais, j'ai fini la quête, mais j'aime bien. Bon. Un autre adversaire qui mord la poussière. Ah. Never one bite the dust. Allez, reviens. Voilà. C'est bien. T'as bien combattu, Jude Gorg.
Alors. Vous venez tenter votre chance, mortel. Vous avez tout à prouver. Je ne pensais pas vous voir aller si loin, mais vous auriez tort de vous en vanter. La plupart de vos adversaires n'étaient au mieux que de vulgaires amateurs. La reine ne couronnera qu'un seul champion. Chacune des trois maisons a aligné des combattants, mais ces derniers cherchent avant tout à éprouver leur force ou à s'attirer quelques grâces. Seuls quelques-uns peuvent réellement prétendre à la victoire. Trouvez donc ces braves si vous cherchez réellement à vous couvrir de gloire. Il y a 10 combattants d'élite. On ne l'est pas champion, on le devient. Ça me plaît beaucoup. Merde, il est fugi, lui. Quelle technique inouïe! Quelle puissance! Putain, mon marcheur, il est pris dans un autre combat, là. J'ai libéré mon marcheur, là. Il est dans le caca. C'est bon, je les ai eus. Bah, apparemment, je les ai eus. Je dois reconnaître que vous avez du potentiel. J'imagine que vous aviez une certaine réputation dans le monde mortel d'où vous venez, mais ne vous reposez pas sur vos lauriers. Plus vous allez combattre avec ardeur, plus vos adversaires vont vouloir vous renverser. En Maldraxxus, la force fait loi
et rien de tel pour gagner les faveurs de la foule que de battre un ancien champion. Il y en a deux aujourd'hui qui courent après leur gloire passée, massacrez-les, tuez la championne Rinmar et le champion Tripae. Trait de décimation, vous lancez les traits magiques dévastateurs sur la cible en lui infligeant... Ok. Ne prenez pas les armes. Vous avez tout à prouver. Je me concentre un peu plus sur les objectifs là. Qu'est-ce qu'il fait mon marcheur là? Allez, attaque! Les forts survivent! Les faibles sont abattus! Devrait arriver. Vous venez tenter votre chance, mortel. Dégagez la reine. L'ultime duel va avoir lieu. Ok. Le fracas des armes et la plus douce des musiques. Alors, la voix du grand maître s'élève au-dessus du brouhaha de la foule. Nous y voilà, l'avènement final du tournoi. Deux braves Malaxi ont relevé tous les défis et il leur reste plus qu'une épreuve à surmonter, le duel à mort. Terrassé, la grande championne Mescal. C'est un nom que j'ai déjà vu, il me semble. Mais. Ok. Il ne reste que deux gladiateurs. La légende de l'un s'écrira en lettres d'or. Tandis que l'autre sera effacé. Let's go. Attaque. Cette âme. Regardez de plus près, Hernan. Il y a une âme vivante parmi nous.
Très intrigué. Une dame, serait-ce le nerf du même ayant déjoué notre attaque? En personne. Cet individu a été témoin de votre trahison. Vos maisons ont envahi le bastion. C'est une trahison qui fout au pied toutes les valeurs qu'incarnait le Primat. Le Primat est parti depuis longtemps, Crexus. Où est donc votre soif de gloire? Est-ce que les élus auraient perdu toute appétit? Notre devoir est de défendre l'ombre terre, pas de l'envahir. Vous allez rappeler vos troupes, ou vous tâterez de ma lame. Non, Crexus, non. Votre lame sera brisée. Tuez-les tous. Mais non, Draka, laisse-moi me battre. Je m'amusais bien, là. Ah bah, ça change des autres curtons, hein. J'aimais bien, là. Il y avait du muscle, il y avait de la testostérone, là. Ça sentait la sueur, ça sentait le sang, là, c'était bon, là. Ah là là, autant le bastion, je me faisais chier, autant là, je sens... Autant là, je sens que j'ai bien m'amusé. Toutes. Nos ennemis sont tout autour de nous. Évitez la route principale. Cette tranchée est jonchée de vestiges issus des innombrables attaques lancées contre le siège du Primat par les ennemis de l'Ombre Terre. A chaque fois, c'est Maldraxxus qui en est ressorti victorieux. Aujourd'hui, les pillards grappillent tout ce qu'ils peuvent dans l'espoir de se faire une place au sein de l'une des trois maisons restantes. Si nous les armons et que nous leur offrons une seconde chance de se couvrir de gloire, les rangs des élus s'en seront renforcés. L'équipe équipée 8 pilleurs déplacés d'armes récupérées dans les tranchées de fer. Au nom du Prime, il n'y a qu'un moyen d'atteindre la maison des élus. Sang et tonnerre. Marcher parmi les morts. Ces tranchées résonnent des énergies nécromantiques libérées au cours des innombrables batailles qui ont fait rage ici. Cette puissance s'est amalgamée pour donner naissance à ce que nous appelons les marches morts. En des temps plus paisibles, nous aurions envoyé des troupes pour les forcer à se soumettre à la maison des élus, mais la guerre imminente change la donne. Éliminer cette menace potentielle avant que nos ennemis ne la retournent contre nous. Hein, je vais y arriver. Okay. Même ici, je protège les faibles. Bien. Allez, je fais ça, mais après j'ai vraiment envie de faire une pause. Je m'excuserai. Ouais, ça tape pas pareil quand même, hein. C'est
c'est quand même un poil plus violent. What? C'est sur ma gueule qu'il est ou... Non, c'est pas sur ma gueule qu'il est. Bon. Si, c'est sur ma gueule qu'il est. Non? Ah ouais, ça cogne, hein, ça cogne, ça cogne. Hein. Je draine un max pour survivre, mais... Vache. Non, putain, non, c'est pas ce que je voulais. Je me tire. Ouf. J'ai besoin de régène, là. Tronka. La force nous vient du cœur. Seuls les plus forts survivent. Quoi, j'ai pas compris l'autre 4. Oh putain, c'est ça, d'accord, ok. Maldraxxus accueille les âmes qui vivaient pour le feu du pouvoir. Ici, c'est la force qui est célébrée. Donc il faut que je trouve des armes. Putain, mais et ça... Je suis trop loin. Ça tape vraiment balèze, par contre, hein. Bordel!
Pas facile à trouver ces fameuses armes, hein. Ah, il y a encore une quête là. On va y aller après. Je sais combien. Ah, bordel, d'accord, ok. Oh bordel, j'avais pas compris. Il faut que j'arme les mecs après qui sont en jaune là. Je suis hors de portée. Ça nous fait 3. Eh, ça tape violent, hein. Non, c'est même pas... Oui. Toi, prends une arme. Je suis à combien là? Je suis à 6 hommes équipés. Toi, on s'en fiche. Bon, je suis full vie. C'est déjà ça. Ah, par contre, cet enfer pour trouver des gus là. Attendez, là, il y a une arme à récupérer. Parce que j'ai un doute si j'ai toutes les armes nécessaires. Il y a un mec là, non? Ah non, non, c'est un. Là, il y a 2 mecs, là. Toi. Bah. Prends une arme. Toi aussi. Ah, bah là, il m'en manque une. Il me manque une arme, j'en avais qu'une.
C'est bon. Objectif atteint. Je suis toujours parmi vous. Souvenez-vous, Rexus et vous, Aka. Force et honneur. Il manque quoi?